Ça, c'est du harcèlement, ça. On se bouge et ils bougent avec nous. C'est un sale boulot que vous faites là. Et en fait, c'est pour vos enfants aussi, et pour vous, hein, parce qu'ils vont respirer le même air pollué que tout le monde. Hein. Et puis ils ont des enfants, ces gens-là. Enfin, bien sûr, peut-être même des petits enfants. Ils vont, ouais, pas, ils vont respirer la même saloperie, leurs enfants. Exactement, ouais. Mais bon. Bah, ils sacrifient leurs enfants. Ils payeront. Ils payeront les soins. C'est que quand il y aura la grande débandade, parce qu'avec le réchauffement climatique, oui, nous on sera plus là, moi je suis trop vieux. Oui, voilà. Mais eux ils auront 20 ans de plus. Exactement. Et quand, ouais, avec le réchauffement climatique, ouais, la centrale de Fessenheim sera mal refroidie, ah, et qu'il y aura un accident grave, eh ben ils partiront en vitesse avec les autres. Bah, surtout en été. Et alors, et qui c'est qui va partir en premier? Ces mecs-là. Et qui c'est qui va rester sur le terrain? Voilà. La police, pour les protéger eux, et ils mourront avec nous, ces mecs-là. C'est bien, ils vont protéger l'apéro là, c'est génial. Et il faudrait leur demander de filer un pastis ou une bière aussi. C'est ce que ça me rappelle. Bon, c'est vieux et ça fait un petit peu point Baudouin. Mais la police juive du ghetto de Varsovie, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans les wagons et ils ont été emmenés en exactement, avec les autres. Exactement, oui. Bon. La police nationale s'apprête à protéger le lunch de ces crapules là, de ces vendus. Et les flics, ils n'auront même pas à boire en plus, les pauvres. On devrait leur filer à boire. C'est mon anniversaire, monsieur Herman. Bon, ben là, t'es mal barré, hein. Herman, c'est toujours sa fête avec le GCO. Tous les jours. Ça va le rester pendant un moment.